Salut à tous, c'est Pure Fishing. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une session en saône. On va essayer de chercher des perches avec des liplesses en bait casting, donc en bait finesse. Que la rivière par contre elle est énormément en crue, elle est assez haute, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis on se retrouve tout de suite pour du poisson. Donc à l'extrémité de... en fait c'est un tuyau en béton, et à l'extrémité il y a un peu de courant. Et on va tout simplement voir s'il y a du cendre ou de la perche qui sera à l'aplomb. Donc j'utilise une petite lame Strike Pro. On descend au fond et on dandine. Généralement ça ne met pas trop longtemps. On va voir si elles sont actives. Oh putain. Bon, déjà il y en a. Ça c'est bon signe. Alors, je sais pas si c'était une perche ou peut-être un cendre. Hop là, petite perche. Hop là. Voilà. Bon, c'est de la perche de 15-20, c'est assez petit. Voilà. Hop, piqué juste sur la petite nageoire. Voilà. Une petite lame, donc elle fait 4,5 grammes. Hein. Voilà. Belle perche commune. Voilà. Toute petite. Donc ça c'est des Swim Impact, donc en 2 pouces, et j'ai couplé avec un rubber jig de chez Katek, pareil, il fait 2,8 grammes. Ils sont extrêmement forts parce qu'ils sont parfumés au calamar, du coup niveau odeur y a pas de problème quoi. Hop. Et on va ramener tout doucement sur le fond. Petite touche. Allez.
Overbirding. Hop là. Voilà. Donc sur un coloris donc naturel. Donc elle a coupé la caudale par contre. Bon, ça dérange pas. Hein. Ils ont des couleurs assez pâles quand même, on voit pas beaucoup les rayures. Voilà. Ouais. Vraiment des petites touches. Beaucoup plus jolie celle-là. On est sur la belle perche. Ça, c'est pas mal. Encore au rubber. Rubber jig avec un petit ketek. Je vais peut-être le changer après pour mettre une caudale quand même. Et puis voilà. Et ça donne une belle petite perche. Un peu plus verte celle-là, des plus belles couleurs. Super perche, putain de bien. Okay. Oh putain, merde, décroché. Oh. Elles prennent vraiment sur le fond, elles font des attaques, mais c'est vraiment des belles attaques, quoi. Putain, loupé. En bait finesse comme ça en casting, c'est vraiment le régal. Poisson. Donc voilà, les petites en fait elles sont assez pâles hein, comparées aux grosses de tout à l'heure. Elles ont le dos vraiment assez gris clair. Voilà, quoi. Même les nageoires elles sont un peu rouges mais pas autant que les précédentes. Je vais tester avec un rubber jig, le même, mais en mettant un ketek rose. Peut-être que ça va peut-être faire la différence, je sais pas. Voilà. Donc je vais passer du coloris grain pumpkin au coloris pink glow. Voilà, donc comme de martier, donc contient du sel, force senteur de calamar,
jamais été déçu avec les Ketek. Ils sentent très 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 bon. C'est de super leurre pour la perche, le cendre, c'est vraiment le top. Même monter sur les petites têtes plombées, c'est vraiment le top, on essaiera tout à l'heure. Ça chasse pas mal quand même derrière. Voilà, un petit comme ça. Tac. Et là, c'est prêt. Voilà. Donc ça fait un peu un panache quoi de couleur, hein. Un couleur assez contrasté marron. Marron poivré un peu avec des hurlots. Et un petit coloris rose. On va essayer ça. Et les touches ne se font pas attendre. C'est un truc de malade. Hop. Encore une belle perche. Je l'ai mis, allez, c'est. Il y a 5 secondes. Elles sont vraiment superbes. Donc là, vraiment bien en gamme Elodie, hein, qu'on voit. C'est vraiment. Donc voilà, ce coloris là. The best encore. Elle s'est fait attaquer celle-là, on voit qu'elle a une petite encoche ici, donc ça peut être des cormorants, des hérons, ou aussi peut-être un cendre qui l'a tapé. Oui. En tout cas, ça fait bien fait taper celle-là. Voilà, des beaux petits poissons. Ah voilà, celle qui me tapait, enfin je pense que c'est celle-là. Je suis pas sûr. Donc pour les leurres que je vais utiliser pour la perche. Donc j'ai tout ici. Donc la majorité c'est du méga bass. Vous avez le Great Whiting. Donc c'est un poisson nageur suspending qui fait 5 cm. Il penche d'environ une petite couche d'eau de allez, 1 mètre, pas plus. Donc je l'ai en plusieurs coloris. Donc ici en coloris transparent, argenté. Marron, transparent, rose. Super mal aussi, une sorte de coloris de perche aussi un peu voilà. Après on a tout ce qui est crankbait, donc ça va être bien dans les tout ce qui est zone un peu des fonds de sable, des fonds de gravier entre 1,5 m et 2 mètres d'eau. Donc ici il y a le griffon, donc c'est le MRX, donc il plonge environ 1,20 m. Je l'ai ici en taille un peu plus grosse, alors ça c'est quand il y a vraiment des grands trous, il plonge environ 2 mètres. Vous pouvez le faire évaluer dans 1,50 m, hein. Mais comme il est un peu plus balèze, à garder pour les postes un peu plus profonds et un peu plus propres. J'utilise aussi des lipless, c'est le Vibration X Silent, donc le Dina. Donc en coloris Firecrow et en coloris naturel.
Le coloris Fair Crow comme ça, c'est pas mal dans les eaux, un peu teintées, un peu marron. Comme en ce moment où c'est un peu en crue, vous avez des profondeurs, on va dire moyennes, vers 1 m, 1 m 20. C'est très bien en linéaire, vous pouvez les faire aussi à la verticale le long des pales planches, le long des quais. Vous avez aussi le X-Shad, il plonge environ 80 cm sous la pellicule d'eau, c'est pas trop mal lorsque vous avez des nénuphars ou sur les plages de sable, vous n'avez pas beaucoup de fond. C'est un flottant avec son système de cylindres. Voilà, c'est un cylindre en fait magnétique qui descend à l'arrière du leurre et lorsque vous le ramenez, le cylindre passe en tête, ça remplace la bille, vous pouvez lancer super loin avec. Et puis sinon, alors j'ai oublié son nom, le FX90 de chez Megabass, pareil. Bon, la bavette est amovible, hein, c'est pour lancer plus loin, ça dérange pas du tout à ce que vous ramenez. Il a vraiment une super nage, j'utilise pas vraiment en ce moment parce que c'est plus pour des chasses près de la surface. Et comme ici elle est en crue, aujourd'hui c'est un peu râpé quoi. Je suis sur une canne casting Bait Finesse. C'est une canne qui fait 1,5 à 7 g de puissance maximum. En Shimano, c'est un Kronark 151 MGL. Très bien pour le Bait Finesse, hein, vraiment, vraiment précis. Vous pouvez vraiment balancer du petit leurre, donc autant des rubber jig comme celui-ci, que vous avez vu en vidéo lorsque j'ai fait les perches avec. Ou très bien du petit poisson nageur, donc méga basse comme celui-là, ou bien ceux-là, ça marche très bien aussi. Donc dans un premier temps, je vais utiliser des Ketec, donc c'est les Swim Impact en 2 pouces, donc c'est des coloris un peu vert, marron, ça faut jamais oublier les coloris naturels. A savoir que j'utilise plus de coloris naturels que de coloris un peu fluo, flashy. Ça c'est le coloris rose, donc celui qui est actuellement sur le rubber jig, hein, c'est très bien, hein, ils sont tous parfumés, c'est très très bien. Les Ketec, hein, donc vous les avez vus déjà dans une précédente vidéo. Easy Shiner, c'est exactement le même goût, le même parfum. Juste la forme qui change, hein, au lieu d'avoir un corps annelé, là c'est un corps vraiment de poisson, de chat quoi. Pareil en blanc, hein, c'est exactement pareil. Juste à noter que le coloris blanc, lui, n'a pas de parfum au calamar. C'est le seul qui n'en a pas. Pour ce qui est des pêches près de la surface, j'utilise des Chubby Pop de chez Ilex. Donc ici j'en ai un peu tout un bordel. Coloris transparent, coloris pêche, donc le coloris noir aussi. Voilà, c'est des leurres qui marchent très bien lorsqu'il y a des chasses. C'est vraiment des leurres qui se lancent super loin. Hip-hop et e-splash. En Walking the Dog, excellent. Sinon, pour juste sur la surface ou lors des chasses, mais qui sont allez à moins d'un mètre en dessous l'eau, en dessous de la surface, j'utilise des chubby. Donc c'est des chubby minnows, c'est des petits crankbait en fait. Alors il y a deux séries en fait. Il y a une série suspending classique, donc celui-ci, et il y a une série flottante. Donc ceux-là sont tous montés en simple, ils sont vendus comme ça. Hein. Des coloris assez originaux, c'est sympa. Pour les pêches de fond, après, là la zone est assez sale, donc j'utilise pas vraiment. Les lames vibrantes, donc ça, on va dire que c'est un peu le classique, c'est la base. Hein, si vous voulez pêcher sur du fond propre, parce qu'il y a pas mal d'activités. On a oublié un, donc il y a les Dina Silent de chez Megabass, et vous avez aussi ce petit lipless là de chez Ilex, je me souviens plus du nom, c'est un chubby aussi, mais voilà. Il nage très bien, hein, c'est une sonorité vachement aiguë. Voilà. Et le. Alors c'est le Riser Bay. Il évolue pile sur la surface, en fait il ondule, c'est un nouveau leurre. L'action est sympa en fait, vous aurez juste la queue qui va dépasser de l'eau et qui va faire un sillage dans l'eau parce qu'il nage. Pour des chasses, c'est très très bien. Alors j'ai aussi le Megabass, le X80 ou X70. Non, c'est le 70 celui-là. Il nage à 50 cm. J'utilise beaucoup parce qu'il est assez léger. En spinning, vous pouvez le lancer sans problème. En casting aussi. Par contre, si vous voulez lancer du petit leurre, hein, c'est pareil. Hein, si vous voulez vous mettre à lancer des petits leurres comme ça en casting, je vous conseille sincèrement d'investir dans une canne Bait Finesse et un mouinet Bait Finesse pareil. Sans quoi vous aurez beaucoup de mal à les lancer. Il faut un mouinet qui soit extrêmement sensible et une canne vraiment peu puissante. Hein, j'excède pas les 7 grammes. Même un leurre de 10 grammes ça se lance, hein, voyez celui.
Celui-ci fait 10 grammes, il n'y a pas de souci. Celui-là, il fait 7 grammes. Voilà. Et ensuite, bah, tout ce qui est lipless, voilà, c'est du 10 grammes. Tous les leurres ici sont du Megabass, sauf les petits crankbaits qu'il y a ici. Et j'ai aussi un petit pencil bay qui est de chez Ilex. Voilà. Et joli petit signe. Il y en a un paquet là, putain.